Il est 20h30, le passager d'un scooter vient d'ouvrir le feu à l'aide d'un fusil à canon scié devant un libre-service du bourg de Matoury, à deux pas de la caserne des pompiers. Il y a plusieurs blessés lorsque les secours arrivent. On tire de fusil à plomb, quoi, cartouche, et il a fait irruption devant le commerçant et il a tiré. Donc on avait deux sapeurs-pompiers à l'intérieur, dont un a été blessé. Pour le sapeur-pompier blessé, il a été juste touché à plomb, mais sans pénétration. Les cinq victimes ont été transportées au centre hospitalier de Cayenne. Leurs jours ne sont pas en danger. L'auteur du coup de feu est immédiatement remonté à l'arrière du scooter qui venait de le déposer. Il est toujours activement recherché par la gendarmerie. De nombreux témoins ont été entendus aujourd'hui par les enquêteurs. La piste d'un règlement de compte est privilégiée. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.